J'ai mal, très mal. Je ne sais pas qu'est-ce qui passe. Qu'est-ce qui passe? Es-tu malade encore? Sacrebleu, tu es toujours malade. Pourquoi? C'est difficile d'être en plein fond comme moi. Sérieusement? Je me rends compte maintenant que tu es très fou. Je suis très fou? Bof! Tu es jalouse de moi? Je me brosse la danse et les cheveux tous les jours. Je me maquille le meilleur de la ville. Es-tu ancien? Non, c'est impossible. Je suis sous la pilule. Où est la douleur? La douleur est dans la bouche? Non. Le cou? Non. La gorge? Non. Alors, je suis fini avec toi. Je me mets en colère avec toi, mais tu es la dernière personne ici. Je dois aller à urgence. Peux-tu me conduire? D'accord. Nous devons prendre ton voiture. Ma voiture a pris par ma mère pour aller au concert de Weird Al Yankovic. Il est très beau. Tu as besoin de médicaments pour les yeux. Allons-y. Quelle heure est-il? Pourquoi est-ce important? La circulation. Détends-toi! Si tu fais un doigt au bureau de poste, il n'y aura pas de trafic. Non. Si nous irions, tu dois tourner à gauche à la banque. Nous irions plus vite. Je m'en fiche. Il suffit de conduire. Je dois retirer de l'argent pour l'essence. La banque est fermée. C'est dimanche. Utilise ton téléphone et trouve le ATM. J'ai de l'argent. Après cela, nous allons faire du shopping à la boutique. Voici une ordonnance pour le patient. Il est grave près de la mort. Ah, je me souviens de lui parce qu'il est ici tous les temps. Il s'est disputé avec tout le monde dans l'hôpital. Au revoir, monsieur. Bienvenue, je suis très fatigué. J'ai un rendez-vous avec ton fils en 30 minutes. Oh, je suis très désolée. Vous avez 20 minutes à vivre. Il faut que vous preniez cette ordonnance maintenant et allez au cimetière. Les deux filles peuvent aller avec toi. N'oubliez pas de payer des traitements des médicaments. Nous avons besoin de manger. J'ai 5 garçons. Oh! Combien ça coûte? Ça fait 86 000 euros. Donne-moi une minute, s'il vous plaît. Quel est le problème? Il porte une écharpe, l'aide! Il s'est maquillé avec des colliers. Le con, c'est un clown. Il se dispute avec moi tout le temps, il est très difficile. Non, quel est le problème de sa santé? Je ne sais pas. Il s'est évanoui. Vous devez vous arrêter! J'ai besoin de s'aggraver cette situation. Alors, pourquoi êtes-vous ici? Comment vous appelez? Infirmier, pouvez-vous, s'il vous plaît, apporter notre patient au chambre médicament? Je m'appelle Tess Tosterone. Avez-vous des allergies? Non, je suis invisible. Avez-vous une condition médicale? J'ai de l'asthme. Ah oui, je pense que vous êtes invincible. Je suis le meilleur drag queen dans le monde. Donc, vous disiez que vous avez l'asthme. Quand est-ce que la douleur commence? Je crois que la douleur commence après j'étais à une protestation pour une forêt. Un compagnon forestier voulait couper une forêt pour plus bois. Ah oui? Quelle forêt? C'était une forêt dans l'Australie orientale. Cette forêt a un aspect menacé. Je proteste pas seulement pour les forêts, mais pour l'animaux. J'aime les arbres. J'aime tous les animaux. Ah! Je suis une drag queen, mais je ne suis pas un tour. Oh, ah oui, mais qu'est-ce qu'il est arrivé? Ah oui, je protestais si un koala se m'a mordu. Oh non, comment? Le koala tombait d'une branche, il était tombé sur mon visage.
Quand est-ce que l'école vous a mordu? Je crois que c'était un mois quand il est arrivé. Un mois? Pourquoi vous n'y êtes pas allé à l'hôpital? Je suis une célébrité. Je n'ai pas le temps. Je suis toujours travaillé pour la glorie. Je n'ai pas le temps pour ça. Laissez-moi amener les médicaments. Fermier, apportez-moi ma veste de travail. Qu'est-ce que tu as dans cette veste? Oh là là, pourquoi je continuais à laisser des bananes dans ma blouse de laboratoire? Pourquoi j'ai à voir cela? Oui, pourquoi êtes-vous ici? Sortez de la salle. Alors, ce qui semble être le problème, comment est-ce que vous vous sentez? Je ne me sens pas bien. Oh là là, ce n'est pas bon. Alors, quel est le problème avec votre visage? Attends, c'est maquillage? Non, ça s'appelle l'art. Vous, évidemment, ne comprenez pas l'art. Ce n'est pas de l'art. L'art est supposé être beau. Votre maquillage est moche. Vous êtes si grossier. Faites votre travail, découvrez pourquoi je suis malade. Quelle heure arrive? Quand avez-vous commencé à faire mal? Après le koala, ça m'a gratté. J'ai déjà dit à l'infirme. Et c'est vrai? Oui, c'est vrai. Je ne te crois pas. Laissez-moi demander à l'infirmier. L'infirmier, avez-vous... Oui, je pense que j'ai trouvé le problème. Il était en Australie et un koala l'a mordu. Un koala? Où est-ce blessure? Je te l'ai dit. Oh mon Dieu, ce koala a une soif de sang. Je pense que le problème est que la blessure est infectée. Oh non! Oh. Est-ce que je me suis évanoui? Oui, mais ne inquiétez pas. Je ne sais que vous avez besoin pour vous sentir mieux et en rien de temps. Qu'est-ce que c'est? Attendez une seconde. Infirmier? Oui, madame? Apportez-moi mon sac de médecin. Voici votre sac. Merci. Une baguette? Êtes-vous fou? Quand était la dernière fois que vous avez mangé une baguette? Je ne sais pas. Peut-être il y a 9 ans? Exactement. C'est pourquoi vous êtes malade. Vous devez manger une baguette tous les jours. Vous serez un bon et une bonne dedans. Et l'infection disparaît? Oui. Sérieusement? Merci, docteur. Maintenant, je dois y aller. Je vais manquer mon prochain spectacle. Merci. Très bien. Bonne journée. Bonne journée.